Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Company of Heroes 2 Arden Assault. Et on reprend c'était la dernière fois dans la campagne de ce jeu. Nous avions libéré Wiltz. Ouh! Bingen! Et nous avions prévu comme plan de prendre Eschdorf et d'ainsi libérer entièrement Luxembourg. Étant donné qu'il ne reste plus que cette poche-là qui est totalement isolée, comme vous pouvez constater, nos troupes sont au nord. Toutes nos troupes alliées les ont encerclées. Bon, ils bougent pas, c'est juste pour faire semblant, hein. Luxembourg, Luxembourg. Ah, non, j'ai rien dit. Luxembourg. Non, il y a une partie d'Ouren qui est encore au Luxembourg, donc on aura quasiment libéré le Luxembourg entièrement. Puis après, nous occuperons de Billingen, avec la compagnie Dog. Mais avant tout, occupons-nous d'Eschdorf. Et je vous laisse avec le briefing. Les Allemands utilisent Eschdorf comme centre de ravitaillement principal, ce qui leur permet de maintenir la pression sur le reste de la région. Ils ont ce qu'il faut pour maintenir la région. Blindés, infanterie et équipement d'appui. Ils ont également une ligne défensive lourdement fortifiée autour de toute la zone, surtout sur la route principale menant en ville. Mais il y a des trous dans le périmètre. Il ne vous reste qu'à les trouver. Quand vous y serez, allez-y et perturbez leur chaîne de ravitaillement. Ils ont prévu d'envoyer un convoi bientôt. Stoppez-le avant qu'il ne quitte la zone. Donc nous avons des rapports indiquant qu'un convoi ennemi est en route pour approvisionner la 5e Panzer Armée. Le convoi s'est arrêté à Eschdorf et est en train de se ravitailler. D'ailleurs, ce convoi infligera un coup sérieux aux forces allemandes dans la zone. Sans ces réserves, ils auront plus de mal à défendre leur territoire à mesure que les alliés progresseront. Que les alliés progressent. Bien évidemment, les trous sont au milieu des bois. La ville d'Eschdorf a changé de main plusieurs fois durant la lutte pour les Ardennes. Plus récemment, l'ennemi a établi une forte présence dans la zone, la transformant en centre de ravitaillement majeur. Avec une force bien équipée et expérimentée veillant sur Eschdorf, les Allemands pensent que la zone est intouchable. Mais ils se trompent. En ce moment même, nos braves soldats préparent une attaque de nuit sur la ville, dans le but de paralyser la chaîne de ravitaillement. Nous avons été informés qu'un convoi de ravitaillement allemand a été repéré à Eschdorf. Nous pensons qu'ils vont essayer de renforcer leur ligne juste en bordure de ville. Que des troupes. Ok, Ranger. Nous devons les neutraliser avant qu'ils ne puissent sortir ce matos. On se bouge! Donc, on va directement chercher ce point d'essence. Les poches sont des canons anti-char le long de la route. Le coin est une putain de galerie de tir. On y va. On devrait essayer de trouver un moyen de les contourner. Sinon, ces canons devront être neutralisés avant qu'on puisse faire passer nos blindés. Bon, monsieur. Ranger avec grosse bombe, au combat. J'avoue, j'ai oublié une chose. Les Rangers ne sont pas résistants. À vos ordres. Que les troupes se regroupent. Mais bon, ça va. On se bouge. Toute compagnie là, de toute façon, je n'aurais plus trop besoin. Ok, soldats, on y va. A déjà fait l'essentiel de son boulot, c'est-à-dire. Enfin, alors a bientôt fait l'essentiel de son travail, c'est-à-dire reprendre Eschdorf. Donc les deux failles, il y en a une faille à gauche, c'est de passer par là, 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 pour aller ici. Ou la faille à droite, on passe par là. On récupère ce point-là. On ressurgit ici, derrière le canon de char, on nettoie ces zones. Puis après on passe par à droite. Je passe toujours par à droite, donc c'est pour ça que je connais bien le côté là. Éclaireur terminé. On y va. Mais vous pouvez aussi passer par à gauche. Que les troupes se regroupent. On y va. Donc à vous de voir quel côté vous préférez aller. Prenez votre matos. Éclaireur, avec deux escouades de rangers, ça passe mieux.
vais pas me permettre d'attendre pour avoir le capitaine, donc comme d'habitude, je vais faire un rush major. Activez-vous, c'est parti. Attendez, on a des ordres. Et après, bon, il y a quelques. Je crois qu'il y a 6 véhicules dans le convoi, donc ça devrait le faire pour finir, afin. Changement de plan. De toute façon, j'ai des rangers. Écoutez, donc la seule chose qui peut déranger des rangers, ça s'appelle des mitrailleuses dans les bâtiments. Enfin. Section au complet. Regardez où vous pouvez vous mettre à couvert. Je suis même plus que précis. Je dis exactement qu'est-ce qui peut déranger et dans, exactement dans quelle manière il nous dérange. Ok, soldat, on y va. Par contre, on va abuser des grenades. Et là, on a un petit souci, comme vous remarquez. On a un stock de munitions quasiment vide. Balancez-leur une grenade! Par là-bas! Courez! On a un lieutenant pour les rapports. Oh la vache! C'est des malades. Allez les gars, c'est parti. Changement. Attention à votre. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Écoutez, écoutez. J'avais pas souvenance qu'il y avait autant de monde, mais bon. Ah ouais, j'ai plus de grenades déjà. Attention, la section est à nouveau complète. Dites-leur de se déplacer, caporal. Je peux même plus mettre de fumigène, c'est pour vous dire. On y va. Attendez, ok soldats, on y va. Équipons-nous et allons-y. On se bouge. Prenez votre matos. Que les troupes se regroupent. On y va. On a trouvé une route de service ici. On pourra peut-être l'utiliser pour faire passer nos véhicules. Dirigez-vous vers cette position. Qui se bouge. Allez. Allez. Section de rangers de démolition. Au front. N'ayant pas vu la grenade, ben l'escouade de droite était neutralisée. Pour ceux qui posent la question, c'est normal que ces unités soient aussi résistantes, ils ont subi quelques améliorations pour qu'ils soient plus puissantes, les Panzer fusillés. Donc c'est tout à fait normal. Comparé à ceux qui, aux anciens joueurs, ils savent qu'à un moment ils étaient totalement oubliés. Puis là ils sont revenus à la mode hein, depuis que leur petit up qu'ils ont eu. Mais dis donc, en plus on est en difficile donc. On rajoute un autre petit up parce qu'on est en difficile, okay, mais voilà. Globalement, les Panzer fusées sont revenus à la mode maintenant, comme unité. On se bouge. Prenez votre bon, là, je suis plutôt en avance que par d'habitude, donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai perdu par contre des points de force, mais ça, c'est pas encore trop éclaireur grave. Terminé. On y va. Position sécurisée. Bon travail, les gars. Attendez. Toi, t'as torpillé. Et vous deux, vous allez continuer. Écoutez. Écoute, attention à votre espacement. Suivez-moi. Que des troupes se regroupent. On y va. Attention, Patrick Jäger. Et là, on recommence à regagner des munitions, ça c'est une bonne nouvelle. La section est à nouveau complète. Ok, soldats, on y va.
avancée rapporte que le convoi est presque prêt. Il ne reste pas beaucoup de temps. Envoyez vos hommes. J'ai totalement oublié dans mon bombardement. Tant pis. Il me faut très rapidement déblinder par contre. On se bouge. Prenez votre matos. Et sinon, je vais pas m'en sortir. Que les troupes se regroupent. On y va. Oh mais par contre, j'aimerais bien qu'il corrige ce petit bug que l'unité quand elle balance une grenade, et on prend un bazooka d'office. Alors que moi, j'en ai pas demandé les bazookas. Même les deux de déployer. Oh merci. Quelle gentillesse, c'est dit. Voilà. Donc tout ça peut se replier vu qu'ils ont fait un boulot. Et là, on peut commencer à déployer nos chars. Par contre, lui, mon major n'aura aucune utilité pour la suite, donc on peut replier. Même me faire partir de la map. Ah, bon. La progression du convoi, ça va aller. J'aurais peut-être pas médaille d'or. J'aurais même certainement pas médaille d'or. Mais ça, c'est pas grave. C'est vraiment un détail. Et comme toujours, cette compagnie-là est vraiment adaptée pour l'infanterie. Étant donné que, je vous rappelle, la compagnie Fox soigne des unités une fois qu'ils sont au level 1. Toute unité d'infanterie au repos peut se soigner. Donc, vous n'avez pas trop besoin de l'ambulance. À part pour reformer vos troupes et encore. Hein. L'ambulance, moi, commencerait à mettre pratique une fois que je serai ici. Mais sinon, avant. C'est totalement différent comparé aux autres compagnies. Et au moins, on a notre premier char. Donc, étant donné qu'on a déjà neutralisé la défense anti-char ici, on peut continuer à faire monter notre char. Parce qu'ici, il y a encore des canons anti-char. Ah oui. C'est pas drôle sinon, c'est pas drôle. Vous imaginez s'il y aurait déjà plus de canons anti-char, comment on s'ennuierait? Les unités dans votre zone ont désactivé un char. Trouvez-le et détruisez-le avant que les Allemands ne le reprennent. Oh mais... Là j'ai envie de dire, ils ont fait exprès de le mettre de l'autre côté. Ranger avec bombe, déployé. Ils ont fait exprès, je pense. Si vraiment ils avaient pensé à moi, ils n'auraient pas mis de côté. C'est quoi cette retraite qui m'a fait, gros? Ah, mon char bloque, d'accord. J'aurais pas cru. Voilà, donc le premier char est là. Une fois qu'on a capturé le secteur A, les blindés peuvent venir par ici. Et les renforts également. Tir envoyé. Artillerie de précision à vos cibles. Bien joué. Ça a ouvert un trou dans la ligne pour que nos gars puissent passer. On pourra déployer nos troupes plus vite si on les rassemble à proximité. Remuez-vous.
Ah, je peux passer par là. Je viens de découvrir un chemin pour vous dire. Ça se voit que j'adore cette map. C'est cool, vous encore des chemins. Ce qui fait qu'étant donné que je suis avec la compagnie Fox, je peux envoyer que des rangers. Avec les autres compagnies, je serai obligé de déployer toute ma division blindée pour aller chercher l'autre blindé qui est en panne. C'est pas le cas avec cette compagnie. Et bien évidemment, j'ai pas pu faire ressortir mes hommes. Artillerie de précision. Visez cette cible. Feu. À vos ordres. On se bouge. Prenez votre bâton. J'ai oublié le One Murphy, je suis en train de filmer, donc c'est normal. J'oublie toujours cette loi quand même. C'est quand même incroyable. À chaque fois, le jeu me rappelle. Tant pis. Si je vais encore faire des véhicules avec cette compagnie. C'est vu que je monte jamais de ce côté là, moi ça me dérange un peu d'y aller quoi. Je connais rien du tout. Ok soldat, on y va. Attention à votre espacement. Suivez-moi. Un feu de camp ennemi. Allez, remuez-vous. Il faut pas qu'ils avancent. Ils surveillent le tireur. Explosez-moi cette position. Section, tirez. Tirez. La reconnaissance dit que ces camions Bosch sont presque prêts à partir. Éclaireur terminé. On y va. La ville se bouge. À vos ordres, bouge. Bon. Prenez votre matos. Équipons-nous et allons-y. Écoute. Ok, soldat, on y va. Déplacez-nous. Taisez-vous. Changement de plan. Si jamais y... Attention à votre espacement. Ouais, je me reconcentre un peu là, mais c'est pas pour Paris, bon, je me reconcentre. Ouais, c'est quand même qu'on voit qu'il va bientôt partir. Là par contre j'ai perdu un de ces nombres d'hommes. On a perdu des hommes, rien de très grave. Mais faites gaffe à vous les gars. Oh là 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 là, 20 points de force, je viens de perdre. Tout ça parce que mes hommes n'ont pas l'idée de se replier par les côtés.
Ça par contre, c'est quelque chose qui est quand même très mal. Bon, quoique. Ah non, j'ai tout perdu. Donc j'ai perdu. Ouais. 31 points de force, j'aime bien. D'accord, plus de points de force. Enfin. Bravo, sortez. Allez, on y va. Allez, on y va. On y va. Relativement en bon état et là, elle est relativement massacré. Et puis ça arrive, hein. J'aurais dû balancer une fumigène, j'ai hésité, voilà. Go, go, go. Allez, on y va. Juste parce que j'ai oublié qu'il y avait une mitreuse. Ah là là. Ok soldat, on y va. C'est pas... Maintenant on assure. Bon. Voilà un bel équipe. Fermez-la, ça sent l'air. Zone sécurisée. Un renfort de char est arrivé. Sherman paré. Sherman, prêt au départ. Écoutez ce 50. Écoutez ce 50. Déplacez-vous. On dirait bien qu'on approche de la mission. Déplacement. Qui surveille le tirage? L'armée est attaquée. Suivez-les. Ce convoi va sauter. Merde! Le convoi est escorté d'un Panzer 4. On se bouge. Mais tuez-les-moi, ces hommes! J'ai l'impression qu'ils savent plus tirer, mes hommes. C'est totalement bourré. Ils ont enlevé le mode de réparation automatique quand mes troupes descendent de leur véhicule. C'est pas... Ça, c'est moins grave. Section de rangers de démolition, au front! Préparez-vous à bouger. Quelqu'un doit reprendre le volant. Bon, mets-nous là-bas. Groupe d'artillerie. Le convoi se déplace. Il faut se bouger, le dégommer avant qu'il soit trop loin. Déplace sur le flanc. Précision. Feu. Allez, en avant. Bravo. Sortez tout plein bordel. Éclaireur terminé. On essaie de tirer. Vite. Rassure-moi, il part bien à droite, le convoi. Rassure-moi, il part bien à droite, le convoi. Par où le convoi? J'ai toujours pas été par quel côté le convoi en fait. Ils m'ont toujours pas donné l'indication. Si par à gauche, j'ai perdu. Ça c'est. Allez, viens à droite. Ah, notre tour perdu. Tout ça parce que j'essaye de me débrouiller pour essayer de trouver. Qu'ils me prêtent, parce que je sais toujours pas de quel côté il part au convoi quand même. Et s'ils m'ont toujours pas mis la ligne du convoi. Normalement, quand en fait, je vous explique ce qui se passe. Normalement, quand vous découvrez le convoi, vous avez une grande trace sur la carte vous indiquant le parcours du convoi. Sauf que là, il n'y est pas.
Et ça me pose un petit souci, étant donné que vu que je sais pas où va le convoi, je ne sais pas si je réussis la mission, si je vais recommencer. Je dirais que c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Il part du bon côté. C'est bon. J'ai eu du bol. Là, j'aurais pu pas. Par exemple, j'aurais pu attendre et perdre la partie parce que je ne savais pas de quel côté partait le convoi. Là, il part forcément à droite, apparemment. Voilà. Bon, par contre, ma compagnie, elle s'est pas envoyée. Elle est en grand pour ma compagne. Changement de bloc. Envoyez les armes sur cette ligne ennemie. Le convoi est neutralisé. Et bien joué, Fox. Les Allemands vont en chier sur ces provisions. Char est arrivé. Visez bien, les gars. Oui. Tir de précision imminent. Voilà. Bon, ça va. Pas encore trop mal débrouillé. Bon, à part que mission avec la voix de Murphy, mais entièrement, je m'en excuse parce que waouh, c'était fait exprès pour moins 32 points de compagnie. Oh là là. Bon, la Fox, asseyez-vous. C'était une rude mission, mais c'est pour ça qu'on nous l'a confié. Les Allemands vont drôlement être handicapés sans ce qu'on voit. Ouais. On tient ces salauds par les couilles maintenant. Ouais, peut-être. Mais on en paie le prix fort. Un entraînement spécialisé ne sert à rien quand on se prend une balle dans la tête. On doit réagir plus vite, faire plus attention et garder nos hommes en vie. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Bon. C'est ainsi qu'on va s'arrêter, hein. Bon. La prochaine vidéo, on s'occupera de Bellingen. Alors, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Des véhicules ennemis, d'accord. Ils auront un soutien léger, moyen et des tracteurs d'artillerie. Bon, ça devrait le faire. Quoi qu'en soit, merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.